témoignage d'Annie Lemoine, qui est journaliste et romancière. Bonsoir Annie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes concernée par cette affaire du nouveau Lévothyrox, puisque votre mère en a pris et a subi de nombreux effets secondaires quelques mois avant sa mort. Au bout de combien de temps sont apparus ces effets secondaires et quel type d'effets il s'agissait ? Elle a pris cette nouvelle formule sans le savoir, puisqu'elle n'a pas été prévenue, au mois d'avril. Et c'est en juillet-août qu'elle s'est sentie mal, s'allongeant souvent, avec des crises d'anxiété, des douleurs musculaires, des insomnies, ne comprenait pas d'où ça venait. Vraiment perdue, perte de poids, perte de cheveux. Et on s'interrogeait. Elle prenait avant les Ça allait très bien avant, pendant des années. D'accord. Avec son ancienne formule, ça allait parfaitement bien, elle était parfaitement régulée. Et elle a passé 2 mois, juillet-août, affreux. Un été vraiment à s'allonger, à se reposer. Sors, va profiter du bon air breton. Elle habitait à Vannes. Mais moi, je me repose. Or, c'était une femme qui était très active, qui n'avait aucune pathologie. Le seul médicament qu'elle prenait, c'était du Lévothyrox. Elle allait très bien dans la gaieté, avec des amis, des activités. Changement spectaculaire. Brutal, ouais. Et là, à la fin de l'été, j'entends Annie Dupéré, qui a eu le courage de pousser un coup de gueule et d'avertir tout le monde. Parce qu'elle avait vu, elle avait compris, elle avait fait des tas d'examens, elle avait vu sur Internet ce qui se passait, les pétitions. Et là, je comprends et je dis, mais va voir ton généraliste, c'est ça. Tu as les mêmes symptômes. Elle va voir le généraliste qui lui dit non, je pense pas, mais enfin, on va quand même faire des analyses. Elle sort de là, je l'appelle, je dis alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben non, il me dit pour ce. Et puis au bout des analyses, on voit que oui, la TSH a changé. Elle faisait partie de ceux en plus. Exactement. Qui avaient une modification de la TSH. Exactement. Alors là, elle va voir un spécialiste, endocrinologue, une femme, qui lui dit non, madame, il faut continuer, vous savez, ça va se stabiliser, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller très bien. Or, cette maman avait un auto-diagnostic très sûr. Pour les autres aussi, elle voyait bien les choses. Elle me disait, Annie, je m'intoxique. Elle avait fait une intoxication à cause d'un médicament, quelques années auparavant, une sérieuse hépatite médicamenteuse, à cause d'un médicament contre l'ostéoporose. Elle s'en était sortie miraculeusement. Mais là, ça s'est mal passé. Et elle n'était pas bien, et je lui ai ramené, je fais comme tout le monde, le réseau, les copines, j'ai ramené du Lévothyrox d'Espagne, ça commençait à aller mieux. Elle voulait porter plainte. Elle m'a demandé de porter plainte. J'ai commencé à regarder sur Internet. C'était très compliqué, vous savez, même de se plaindre. Il faut voir, c'était pas facile. Et c'est pour ça que les chiffres sont en deçà. Évidemment qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de porter plainte et de se plaindre et qui ne l'ont pas fait. C'était très compliqué. Non, mais c'est une démarche déjà de. Exactement. Même pour moi, ça me paraissait compliqué. Bon, on a attendu. Et puis là, elle a attrapé une infection respiratoire. Ça a vite dégénéré. Elle n'avait pas ses armes pour lutter. Voilà ce que je pense. Terrain affaibli terriblement. Et elle est partie en 15 jours. Donc pour vous, Annie, le lien entre le décès de votre maman et le Lévothyrox, ça n'est pas un lien direct. Et ce n'est pas le changement de formule qui aurait causé sa mort, mais c'est le fait que ça aurait affaibli son organisme, qui l'aurait empêché de lutter contre cette infection. Certainement. D'abord, je ne suis pas sûre qu'elle aurait attrapé cette infection si elle avait été en pleine possession de sa santé comme avant. Et je suis certaine qu'elle aurait eu mieux, en tout cas davantage d'armes pour lutter, qu'elle aurait pu combattre peut-être cette infection. J'en suis certaine. On ne peut pas le dire. On ne pourra jamais le dire. J'ai demandé à son généraliste, j'ai demandé d'abord à l'endocrinologue de faire un certificat pour la plainte même. Elle m'a dit non, secret professionnel. Je dis comment ? Mais c'est ma mère. Justement, d'autant plus, prenez rendez-vous, je vous expliquerai. Et ça s'est mal passé au téléphone. Cette femme m'a dit, je pense que je suis endocrinologue en plus, moi. Elle m'a dit, si vous voulez penser que votre mère est morte à cause de cette nouvelle formule, eh bien vous vous rendrez malheureuse. Elle est odieuse. Alors, je me suis retournée vers le généraliste. Le premier qu'elle avait vu. Voilà. Et lui, il m'a fait un certificat qui se conclut comme ça. Ces troubles l'ayant fatigué ont pu être générateurs d'un éventuel déficit immunitaire et, secondairement, majorer les troubles infectieux à l'origine de son décès. Car maman est morte officiellement d'une pneumopathie. Alors, on ne saura jamais. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je vais faire comme tout le monde, j'allais dire, comme. Vous allez porter plainte évidemment, oui. J'ai vu votre documentaire, excellent. Qui pose les vraies questions. Vous avez vu le président là, de Merck France, à quel point il patauge? Ah oui, mais non, pourquoi? Ben non, ils ont changé la formule sur 23, sur une étude qui portait sur 23 cas. Et ils ont enlevé le lactose, mis du mannitol, de l'acide citrique pour, conquérir le marché asiatique. Pourquoi ils ne jouent pas franc jeu? Oui, bien sûr. C'est absolument insensé ce qui s'est passé dans ce pays. On a pris des gens pour des cobayes. Il y a 500 000 personnes, minima plutôt 1 million, effectivement, comme disent les associations. Mais 500 000, reconnaît le ministère de la Santé, qui ont arrêté de prendre ce médicament nouvelle formule et qui se débrouillent comme ils peuvent. Ils vont à l'étranger, etc. Merck veut arrêter la fabrication de cette ancienne formule à la fin de l'année. Et notre ministre de la Santé, Mme Buzyn, entretient un silence. Mais alors, à part
à part dire qu'il y a eu un défaut d'information, ça tout le monde le sait, et elle ne dit pas formule. Crise sanitaire, elle ne s'occupe pas de ces majoritairement des femmes d'ailleurs, et qui ont subi au début, vous savez, ce mépris de ces professeurs qui disaient effet nocebo, etc. Mais qu'est-ce que vous attendriez justement du ministère de la Santé aujourd'hui? Alors un minimum d'empathie, déjà un peu d'humanité. Je sais que la transformation de l'hôpital prend beaucoup de temps, Madame Buzyn, mais qu'elle s'intéresse au dossier du Lévothyrox et qu'elle dise oui, on va obliger Merck à laisser l'ancienne formule sur le marché. Elle a essayé de gérer l'urgence pour que les malades puissent disposer en tout cas d'un médicament qui leur convenait. Avec de nouveau des problèmes de dosage, etc. On ne sait pas trop. Ça patauge, quoi. Donc, rendez l'ancien médicament. Merck, qui fonctionnait très bien, pourquoi ont-ils changé? Ça, ils vous diront que c'est l'ANSM qui... C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. L'ANSM qui avait commandé. Qui avait demandé. Ouais. Interrogeons-nous à qui faisait partie de l'ANSM. Il n'y avait pas des conflits d'intérêts. Il n'y avait pas un professeur qui avait été salarié aussi par Merck et qui demande subitement au laboratoire de changer la formule, parce que tout le monde sait que le brevet va tomber dans le domaine public 2 ans après. Et puis c'est vrai qu'il y a un marché asiatique à conquérir et que les Asiatiques ne supportent pas le lactose. Et ben moi je dis que Madame Buzyn devrait quand même, et je ne suis pas la seule à le dire parce que ça répond aux attentes de centaines de milliers de femmes, ce sont majoritairement des femmes, devrait mettre un petit peu de l'ordre dans ce dossier qui est singulièrement opaque. D'ailleurs, c'est la première fois que sur une chaîne de télévision du service public, merci à vous deux, on voit ce genre de questions posées, de vraies questions posées. On n'a pas les réponses. Mais que Mme Buzyn demande, s'intéresse à ça aussi. Pourquoi on a demandé un changement de formule sur la base, encore une fois, de 23 cas? Non, c'est impossible, il y a autre chose derrière. Et puis surtout, la question clé, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichu médicament? On a envie de savoir. Et en attendant de savoir, principe de précaution, on remet l'ancienne formule à ceux à qui ça convenait très bien. Il est où le problème? Mais quels sont les intérêts? Quels sont les enjeux? Qui on veut défendre? On est de quel côté? Du côté des labos pharmaceutiques, très puissants, on le sait, qui font beaucoup de lobbying, on le sait, et qui arrosent au passage sans doute beaucoup de politiques, médecins, etc. Ou on est du côté des patients? Le rôle d'un ministre de la Santé, c'est pas de protéger la santé des patients? Madame Buzyn, au boulot.